Bulk day, dos, faire les choses bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bulk day, une semaine et demie si je me trompe pas. Je te dirai pourquoi, il y a des choses qui sont en place, des choses qui avancent et je suis très content. On va se lancer avec une pré-fatigue tranquillement. J'ai pris les 6 kilos. Je vais faire de l'oiseau haltère en pronation et en neutre. Histoire de bien réveiller mon dos et de faire les choses bien parce que c'est important. Allez, c'est parti. Commence par pronation pour arrière des épaules. 1, 2, 3, on va faire 10, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, neutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va se faire plusieurs fois, peut-être 3 ou 4 fois, 3-4 fois. Et puis, on va passer à l'exercice 1. Là, c'est juste pour bien me réveiller, juste ça, réveiller mon dos. Des trésors, la salle, elle est blindée, c'est incroyable, vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Là, je suis jusqu'à 12 reps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Oh. Aujourd'hui, là, j'ai oublié ma gourde. J'ai tout oublié. J'ai même pas pris d'énergie gel. J'ai vraiment tout oublié. J'ai pris une boisson énergisante dans le distributeur de la salle. Ça doit me réveiller un peu. Mais j'ai tout oublié, c'est incroyable. C'est trop. Allez, dernière. Là, ça va, je commence à être bien. Mon cœur se réveille vite. 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh, neutre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, parfait. Là, j'ai mis un peu de vitesse, j'ai mis un peu de rythme. Ça va être bien, ça devait me réveiller. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, ce sera une bonne séance. Ça va être une très bonne séance. Premier exercice, je voulais faire un bicep, mais je sais même pas si je pourrais le filmer. Je voulais faire du rowing à la barre avec des tractions juste après, mais je sais même pas si je pourrais filmer ça. Il y a du monde, j'ai pas beaucoup d'espace pour bien de filmer et j'ai vraiment pas envie d'emmerder les gens avec ma caméra, tu vois. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais je vais faire un 10-10, 10 répétitions au ring et 10 répétitions en traction, mais des tractions vraiment contrôlées où je monte bien, où je descends bien et j'ai un mouvement très correct. Je voulais faire ça en 3 séries de 10-10 répétitions. J'ai trouvé une petite page, je sais pas si ça va durer, mais au moins je vais pouvoir te montrer ça. J'ai ça dans ma poche là. Allez, c'est parti, première. J'aime bien faire, c'est un petit soulevé de terre pour la première. Je me place et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Traction maintenant. Mouvement bien droit, mouvement contrôlé. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oh. En fait, hier, je me suis tué aux tractions hier. Vraiment. Et là, je sens. Ça me fait mal. Le mouvement contrôlé droit, ça va être dur. Ça va vraiment être dur. Mais on va quand même assumer ça. On va assumer. Si j'ai du mal à en faire 10, je vais en faire 8. Mais on va quand même assumer ça pour faire un mouvement excellent. Ou alors, on va monter moins haut. Mais je vais aller au maximum de mes capacités parce que c'est important. Alors, j'ai fait moins de vidéos actuellement sur YouTube parce que j'ai été à fond sur ma chaîne secondaire. Je sais pas si tu suis un peu les posts que je fais sur YouTube, parce que tu peux faire des posts, des photos et tu marques des trucs comme sur Facebook, tu vois. J'ai mis des posts en disant que j'étais actif sur ma chaîne secondaire et que j'allais revenir. Je suis venu avec un programme de 6 épisodes, si je me trompe pas. J'ai fait un programme complet, gratuit, avec moi. Là, j'ai fait un autre programme qui va sortir cette semaine. Encore 6 épisodes, programme split cette fois-ci. Et voilà, je reviens à fond sur ma chaîne secondaire. Parce que c'est important, c'est vraiment important. Et je tenais à remplir mes engagements que j'avais en créant cette chaîne secondaire. J'avais pas beaucoup de temps, je te cache pas, j'avais pas beaucoup de temps. Quand j'ai créé ma chaîne secondaire, j'étais en réflexion de déménagement. Quand ma chaîne secondaire a commencé à monter, j'étais dans mon déménagement. Là, mon déménagement, il est fini. Mais une fois que tu as déménagé, tu es plus en recherche de stabilité. Là, actuellement, je suis toujours en recherche de stabilité, mais je me dis, vas-y, c'est pas grave. Je vais m'engager à fond sur ma chaîne secondaire, qui sera monétisée, là. Donc, ça va me faire des revenus. Et ces revenus-là seront directement intégrés dans la chaîne secondaire. Parce que c'est important, sachant que ce que j'ai dit, je l'ai toujours en tête. Ce que j'ai envie à court moyen terme, c'est de louer un local ou un petit garage, mettre un banc, des haltères et tu as des programmes comme à l'ancienne, des programmes où on parle, on discute, on s'entraîne ensemble parce que c'est important. J'ai vraiment envie de le faire et pour le faire, il faut que je fasse ce que je peux faire maintenant, sans me mettre de barrières, sans me mettre de limites. Et que voilà, je fais ce que j'ai, je prends les revenus, je mets de côté, et une fois qu'on arrive à la somme, et on investit et on t'envoie des programmes, on t'envoie du lourd. L'objectif, c'est d'être la meilleure chaîne de programmes gratuits en France. C'est l'objectif. Dépasser ça en France, après on verra pour l'Europe et l'international. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment du gratuit, du complet. Même si que je propose des suivis, je propose des coachings à distance, ma chaîne secondaire, je veux qu'elle soit entièrement gratuite et disponible pour n'importe qui, parce que c'est important. Donc c'est pour ça que j'étais pas actif en bulk day pour ma chaîne secondaire. Mais là, on revient avec les bulk day, on va s'amuser, on va faire les choses bien. On a bien parlé, on fait la deuxième, c'est parti. Allez, c'est parti. Deuxième, on fait ça bien. Je vais prendre un peu plus large le ruin. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Traction. Ça va faire mal, mais il faut qu'on fasse ça bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. C'est des tractions nulles que je fais, mais ça reste des tractions. Mais je suis content. J'arrive quand même à bien tenir. On va en faire une dernière là. Et on sera bon. Là, cette année, l'objectif, le but, c'est d'aller chercher les choses. On va aller chercher ce qu'on peut aller chercher. On va prendre ce qu'on peut aller prendre. Et on va avancer parce que c'est important. Vivre de YouTube, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Vraiment.
Et je suis bien placé pour le savoir et pour te le dire, parce que en termes de contenu, en termes de vidéos, j'en ai produit, hein, j'en ai fait. Même si que je rentre pas dans les tendances YouTube en mode des vidéos où je fais n'importe quoi et tout. Mais j'ai fait des vidéos, j'ai produit. J'ai plus de 1000 vidéos sur cette chaîne principale. Plus de 1000 vidéos. Objectif, c'est de faire 100 bulk day avant la fin de l'année. J'arriverai et faire plus de 100 vidéos programmes sur ma chaîne secondaire Dame Jordan Training. Et j'y arriverai aussi. Je ferai les choses bien. Je ferai les choses bien. On va avancer. Deux chaînes, plus de responsabilités. Mais le travail reste le même. L'objectif, c'est d'avancer, de faire le taf. Vraiment. Ouh. Je me repose un peu et on repart pour la dernière. Fais ça bien. J'ai bien récupéré, mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez récupéré. C'est un bordel. Allez. Traction va être dur. Je le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait des demi-tractions. Vraiment. Des demi-tractions, mais j'ai validé. J'ai fait ce que je pouvais. Oh. J'aurais dû filmer le bulk day hier. Il était incroyable. J'ai vraiment envoyé comme never. Exercice suivant, rowing machine. Alors là, j'ai mis moins lourd que d'habitude. On voit pas les poids, mais j'ai mis 2 poids de 20 et un poids de 10 kg. 50 kg de chaque côté. On va bosser que en unilatéral. On va se faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Parce que là, je sens vraiment la fatigue venir, tu vois. Mais la congestion, elle vient quand même. Fatigue ou pas, congestion, elle est là, donc ça veut dire qu'on est bien. Allez, on y va. 10. Ou 8 si vraiment je sens que c'est super dur. Mais je pense que 10 ça passe. Parce que de base, je lève 80 kg de chaque. Donc 50 kg normalement, ça passe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ok. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. Oh. J'aime bien bosser comme ça. Une latérale. Juste lourd. Ça fait du bien. On se repose et on repart. Désolé, là, je fais des angles un peu plus serrés que d'habitude. Parce qu'il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Il est 13h51. C'est incroyable. D'habitude, c'est calme jusqu'à 15-16h, tu vois. Mais là, il commence à avoir du monde. C'est une dinguerie. C'est bien aussi. Parce que ça prouve que beaucoup plus de personnes s'entraînent, font attention à leur physique. Et je suis content. Même si je me filme, c'est embêtant. Je suis toujours aussi content de voir du monde en salle s'entraîner. Même si que là, ils font des mouvements de merde, mais c'est pas grave. Les gens s'entraînent et c'est bien. Les gens ont envie d'aller à la salle. Les gens transpirent, lancent dans la fond et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien. Pour quelqu'un qui aime le sport, pour un amoureux de la musculation, ça fait du bien, vraiment. Par contre, je trouve ça dommage que certaines personnes vont pas au bout de leur entraînement. Parce que l'avantage ici, c'est que à Saint-Etienne, c'est que les gens que je vois à la salle, ben, c'est les mêmes à chaque fois. Tu vois, c'est pas comme à Paris où tu vois des personnes différentes presque tout le temps. Il y a des habitués, mais il y a souvent des personnes différentes. Là, ben, c'est que des habitués. Les personnes, tu les reconnais et tu vois à l'entraînement que ils sont pas à l'aise. Tu vois, ils vont faire une ou deux machines ou deux exercices qu'ils connaissent. Après, ils vont sur un tapis de cardio, alors que à leur physique, ça se voit que c'est pas dans leur objectif. En fait, ça se voit à leur entraînement, à leur façon d'être, à leur façon de regarder les machines.
ne pas oser faire des machines, ça se voit, tu vois. Du coup, ils font que ce qu'ils savent faire, que ce qu'ils connaissent, ils restent dans leur zone de confort. Et c'est dommage. Moi, tu vois, c'est pour ça que je fais des programmes. C'est pour ça. C'est pour te montrer ce que je fais, pour te montrer ce qu'il y a à faire, et pour te forcer et pour aider les gens à faire des programmes, à sortir de leur zone de confort, à leur montrer plein d'exercices et faire des vraies séances complètes, tu vois. Parce que faire un exercice jambes et après aller sur un vélo, ou faire un exercice bras et après aller sur un vélo, sur un tapis de course, non, tu vois. Fais des choses complètes, c'est important. C'est pour ça que je suis là. Je vais pas être le mec relou à la salle qui va venir vers toi en disant oui, voilà, faut que tu fasses ça. À part si tu vas me voir, et là je te dirai, il n'y a aucun souci. Je vais pas te déranger dans ta séance et dans ce que tu fais. Mais je serai là pour aider parce que c'est important. Allez, on y va au deuxième. Là, je passe à 3 séries dans mes programmes à chaque fois. 3 fois 10, je trouve ça pas mal. Moi qui ai longtemps fait du 4, 5 fois 10 reps, le 3, je commence à bien aimer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. On est bien. Je suis content. J'ai de très très bonnes sensations. Vraiment. Fais ça bien. C'est bien, je suis content. Est-ce que je fais cette fois-ci le même exercice mais avec les deux, ou je passe à un exercice suivant? Le problème, c'est que le tirage horizontal vertical sont pris, il y a du monde dessus, je peux pas faire grand chose. Le truc, c'est que j'aime pas trop les deux sur ça. J'aime pas trop. L'exo là-bas, il est pris. Ah, c'est dur, les gars. Franchement, c'est difficile. Mais on va faire les deux. On va faire les deux. Bon, là, j'ai mis 40 kilos. J'ai retiré les 10 kilos de chaque. Double tirage. On va essayer d'avoir un tempo de 1 à 2 secondes. Ok, on va voir ça, comment on se comporte jusqu'à 10 répétitions. Ça va faire mal, mais c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ça tue. C'est incroyable. Vraiment. Mais on va rester comme ça. C'est bien. Franchement, cet exercice-là, il est bien. Il est bien. Le blocage et tout, il fait du bien. J'ai reçu un commentaire où on m'a dit que comment je fais pour improviser mes séances. Ben, c'est simple. Quand tu connais ton corps, quand tu t'entraînes depuis presque 10 ans maintenant, et ben, tu connais ton corps, les exercices à faire. Tu sais ce qu'il faut faire pour obtenir une congestion. Tu sais ce qu'il faut faire que quand tu as un coup de mou dans ta séance, comment te relancer. Tu sais, parce que tu es resté tellement longtemps entre toi et toi-même dans ta séance, avec ta musique, dans les échecs, dans les réussites, que maintenant tu sais, tu es au courant. Et moi, je suis au courant, tu vois. Je sais ce qu'il faut faire pour une bonne séance, que ce soit tout seul ou que je suis avec quelqu'un. Parce que parfois, je viens avec des personnes,
fais des programmes ou alors je les entraîne ici, tu vois. Et du coup, je sais ce qu'il faut faire pour aller au bout de leurs limites, pour qu'ils aient des sensations, pour qu'ils rentrent chez eux avec la sensation d'avoir fait une bonne séance, d'avoir bien travaillé. Ça, c'est important. Allez, deuxième, on fait ça bien. Pareil, on va chercher les 10 reps. On va chercher la douleur. Allez. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok, parfait. Parfait. Par contre, ça fait mal. Ça fait mal, je dis la vérité, ça fait mal. C'est un délire. Quand ça s'arrête, je suis content que ça s'arrête. Vraiment. Mais on continue. On continue parce que c'est important. Par contre, au niveau des bras, c'est un délire comment j'ai séché. J'ai pas de balance. Faut que j'en achète une. Mais j'ai séché de fou au niveau des bras. Mes bras, ils sont secs. Mes bras, ils sont bien. Ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gros. Mais je sais que ils sont plus secs et plus dessinés. C'est ce qui donne l'impression qu'ils sont plus gros. Je pense que j'ai perdu un peu en volume musculaire au niveau des bras. Mais en définition, je suis bien. Je suis bien. C'est mon point fort. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder, de maintenir. Et je pense qu'après, on va les faire. Faire un petit rappel. Un petit rappel ne fait pas de mal. Ça fait jamais de mal. Puis voilà, mon dos aussi se dessine un peu mieux, se dessine de mieux en mieux, de plus en plus, et je suis content parce que le dos pour moi ça a toujours été un point faible, et petit à petit ça commence à devenir un point fort, tu vois, et je suis content parce qu'en fait quand tu as des bonnes prédispositions musculaires à avoir sur un dos, sur des biceps, sur des pecs, et ben faut bosser à fond, tu vois. Il faut que tous les points qui peuvent devenir forts, il faut qu'ils soient forts, tu vois. Génétiquement, je peux avoir un très bon dos, donc il faut que je fonce pour avoir ce bon dos et je vais foncer pour avoir ce dos incroyable. Parce que c'est important. Allez, dernière, on envoie. On fait ça bien. C'est parti. Et une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, ok. Très bien. Parfait. 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 On a validé. Exercice suivant. Je pense qu'on va faire des shrugs. Même si que, en soi, les shrugs, j'ai pas besoin de les faire, j'ai des bons trapèzes, mais on va en faire quand même. Shrug aux haltères. J'ai pris 20 kilos, sans d'être bien. Hop, alors, les shrugs, chaque fois, je le répète, épaule en arrière, je monte et je bloque 2 secondes. Là, cette fois-ci, je vais faire 12 reps, ok? Allez, on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Allez. Une, deux, onze. Une, deux, douze. Ok, parfait. On est bien. Oh. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos que j'ai faites sur le métier de la sécurité, je vais pas tarder à faire une grande vidéo FAQ. Je vais prendre les 4 dernières vidéos que j'ai faites et je vais répondre à tous les commentaires. Tous les commentaires pertinents, je vais répondre en vidéo. Comme ça, on aura des informations, on sera bien, on sera fixé. Et moi, je vais peut-être rebondir sur la sécurité parce que ça me manque. Ça me manque, hein, des métiers où t'es tranquille, où on te fait pas chier et tu gagnes bien. Ça me manque, sans faire grand-chose, ça me manque, tu vois. Ça permettra aussi de me donner à fond sur ma chaîne, sur mes chaînes YouTube maintenant, et faire les choses bien. Continuer à travailler, continuer à bosser, continuer à avancer de la bonne façon, ça va m'aider.
Donc ouais, on va peut-être revenir en sécu. Peut-être. Allez, c'est parti, deuxième. On y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Allez. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Une, deux, douze. Ça fait mal à 20 kilos. Hein. Ça fait super mal, mais... ça qui est bon. Et là, là, ouais, je sens bien mes trapèzes. Je les sens bien. C'est incroyable. Allez, dernière. On fait ça bien. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Une, deux, douze. Très bien. Je suis bien. Niveau trapèze, on est bien. Là, j'ai plus envie de bosser le dos. C'est bon, c'est fini, je suis bien. Soit je fais un petit rappel biceps. Soit je vois ce qu'on fait. Je vois ce qu'on a. Je vois ce qu'on a en machine. Et soit on a des machines cool, épaules. Soit je fais les épaules. Petit rappel pour la fin. Sinon, je prends les haltères, je suis dans un coin, je fais des biceps. Je vais voir ça, je reviens. Bon, on va faire les épaules sur ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exo, cette machine. Mais on va le faire. J'ai mis deux poids devant. Pour voir si ça fait pas trop mal. Et on verra si j'augmente ou si je reste comme ça. On va se faire 10 reps simples. Pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait, léger. On va rajouter 2 poids devant encore. Et voir ce que ça fait. Les gens qui restent jusqu'à là dans les programmes, là, qui regardent les vidéos en entier et tout, mettez des commentaires, vraiment. Même un petit commentaire nul, mais un commentaire, ça m'aide énormément, vraiment. Oh, c'est que c'est divertissant, c'est cool. Parfois, tu vas sur la télé, c'est chiant de mettre un commentaire. Va sur ton téléphone, sur ton ordi, mets un petit commentaire, mets cool la vidéo, un petit truc cool, tu vois. Un truc simple. Histoire de montrer à YouTube que ces vidéos, elles marchent, ces vidéos, elles ont de l'intérêt. Et puis voilà. Parce que là, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Je me donne à fond, faire les choses bien et on va se battre. Quoi qu'il arrive, on va se battre. Allez, j'ai mis 40 kilos. On va voir si on peut soulever ça. 10 en tempo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la différence d'un développé militaire classique aux haltères, là tes bras sont un peu plus en avant. J'ai l'impression que ça tape plus sur l'avant des épaules que la partie latérale des épaules. C'est pour ça que les machines, je les aime pas, tu vois, malheureusement. Mais elles sont là, c'est bien, elles sont là, mais j'ai l'impression de pas bien faire le mouvement, de pas être à l'aise pour vraiment recruter la partie latérale des épaules. J'ai l'impression que mes bras sont trop en avant. Je sais pas s'il faut que je me couche un peu plus ou au contraire. Non, je peux pas me reculer, parce que si je me recule, ben, mes épaules seront un peu plus en avant. Mais j'essaye d'avancer, enfin de mettre mes coudes vers le bas, histoire de recruter la partie latérale, mais c'est dur. C'est dur. En tout cas, là, au vu de ma forme et du mouvement que j'ai fait, je peux monter, hein. Je peux encore mettre un 10 de chaque côté, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que j'ai du mal à sortir la partie latérale de mes épaules. Je sens plus l'avant. Donc, pour éviter de me détruire l'avant et de me faire mal pour rien, je vais rester comme ça.
et je vais voir si je fais des élévations frontales en plus de ce mouvement là. Ça peut être bien, ça peut être intéressant. On va voir ça. J'ai pris des poids de 8 kg. Je vais les prendre 12. Mais il y a Pépar. Quelqu'un était dessus. Du coup, là, on va faire 10 répétitions. Et 10 répétitions en élévation frontale. Alter. 10 supersets. Je vais en faire 2. Tranquillement. Et puis, ça va être la fin du programme. Parce que hier, j'ai fait les biceps avec les pecs, les triceps et tout. Là, j'ai pas envie de fumer mes biceps encore plus. Bien les épaules, je peux les fumer. Ok, on y va. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Putain, c'est long. Sept. Huit. 9, 10, c'est super long et ça fait mal, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, la congestion, elle est là, j'ai mal aux épaules, c'est bien, et je me dis même, dames, est-ce que le d'en faire 2, on va pas en faire 3, parce que j'aime bien, j'ai des très bonnes sensations, je pense qu'on va en faire 3, je crois que demain je vais te faire un bulk day jambes. Demain. Même si je sens que voilà mes jambes, c'est compliqué. Demain, je vais faire un bulk des jambes. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et comme j'ai dit, faut qu'il y ait plus d'épisodes de jambes que le haut du corps. Faut que t'en aies marre de voir les bulk des jambes. C'est pas les vidéos qui sont les plus vues en bulk day, mais c'est pas grave. Moi, je veux m'attraquer les jambes. C'est important, vraiment. Je fais pas beaucoup les jambes parce que quand je taffe, tu vois, je marche beaucoup. Enfin, dans les taffes que j'ai fait auparavant, je marchais beaucoup. Et si j'ai un taf où je marche beaucoup, où je dois porter des trucs, faire les jambes, ça va me desservir plus qu'autre chose, tu vois. Mais si je fais un taf où je suis assis, je suis tranquille, les jambes, je peux les bousiller, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Quitte à acheter une trottinette électrique pour aller plus vite au travail, et ben je le ferai, tu vois. Mais là, faut que je bosse les jambes. Vraiment. Je me repose un peu et je repars. Mais je vais mettre lourd Q8. Je vais mettre lourd Q8. Et j'arrive. Allez, on y va. Deuxième super set. Et encore, j'ai super set, mais c'est même pas un super set, c'est un bicep. On y va. La première, je la compte pas. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Oh. J'ai pris les 14 kilos. Il n'y avait pas les 12. C'est pas grave. Il y a les 14. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6, allez, 7, 8, 9, 10, putain, ça fait mal, ça fait vraiment mal, c'est incroyable, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, faut vraiment aimer ça, hein. Franchement, faut vraiment aimer ça, faut aimer se faire mal, hein. Sinon t'abrasses pas, t'évolues pas. Mais là, c'est incroyable comment ça fait mal, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est bon, tu vois.
dans tes séances, même si tu es fatigué, même si que tu ne pousses pas comme tu voulais pousser, tu ne mets pas les charges que tu voulais mettre, que tu peux mettre, fais des bicettes, fais des supersets, fais des tempos avec des charges moyennes ou légères et tu verras que malgré tout, tu feras une bonne séance. Parce que la muscu, c'est ça, la muscu, c'est pas que tu viens, tu es au top à chaque fois, que tu fais des bonnes séances à chaque fois. Non, ça arrive peut-être une ou deux fois dans la semaine. Toutes les autres séances, c'est dur. Ou alors, parfois, ça arrive que tu fais une semaine incroyable, mais l'autre semaine ou les deux autres semaines, après, c'est dur. Tu te forces, tu vois. C'est comme ça, c'est normal. Ça arrive même aux professionnels, même aux gens qui s'entraînent depuis longtemps. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et c'est important pour moi de te le dire. C'est important. Parce que tu peux te dire, mais comment il fait, lui, pour faire ça? Comment il fait? Il fait. Je te dis pas comment, juste il fait. C'est dur, mais il fait. Ok? Il nous en reste une dernière. Je crois, ouais, il nous reste une dernière. Après, on a fini. Dernière, je valide. Fais ça bien. Allez. Première, on la compte pas. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Frontin. Ça bien. On fait ça bien. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Oh, je suis KO, mais. Je suis bien, c'est bien passé. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer ce programme. Dos, épaules. Si c'est le cas, mets un j'aime, un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. C'est vraiment important. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.